Alors, Noiselle, Irvine, Skull. Et on y va, les aliénators. Ouais. Oui, on ne peut pas passer là. Naturellement, on les one shot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour vraiment les tuer, il faut les tuer par couleur. Il faut tuer les deux violets ensemble, les deux rouges ensemble, les deux verts ensemble et les deux jaunes ensemble. Wow. Par contre, j'ai pas vu les drops, mais bon, c'est pas grave, c'est sur les rouges que c'est important. Mais de toute façon, t'as des Aurastones. J'en ai pas, j'ai pas chopé des Lassoïdes. Ah. C'est celui que t'en avais chopé, hein. C'est pas 3 heures, c'est 2 minutes, c'est 1 minute après. C'est pas gentil. Combat contre le vert. Ils sont moches, je pense. Eh ouais, ils sont moches. Ouais. Oh, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de drop. Je vais sauvegarder. Pour être sûr de. C'est les rouges qui donnent des drops et il y a une chance sur 2 qui donnent. Si j'ai vraiment pas de chance, j'en ai pas, donc je suis vraiment dans la merde. En gros, l'objet que PLM veut, c'est une aura stone qu'on va vouloir justement utiliser sur le Thanos. Ah, c'est bon, normalement ça a arrêté de dropper. Peut-être remonter un tout petit peu. Ça drop encore. C'est ouais. Vrai, sérieux, putain, je suis désolé, ça a pas droppé toute la nuit quoi. Non, là ce matin. Non. Moi ça va, j'ai qu'une seule personne qui peut se connecter à mon téléphone, c'est moi. Non, moi j'en ai 3 là, donc malheureusement. Je vais en profiter pour regarder le livre. J'ai bien le livre. Et j'ai eu une Death Stone. Ouf. Donc, ce qui sont importants, c'est les rouges qui donnent des auras. Besoin de café, ouais. Ah bah, j'ai eu une Deathstone. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle et on a encore une chance. Sinon, on recharge la partie.
Ah ok, c'est bon, j'en ai eu. Parfait. Donc c'est sauvé. Utilisateur d'exploit. Beaucoup, hein. Ouais, mais il est pas mal comme logiciel. Je sais pas, moi j'ai commencé par utiliser exploit. Je l'ai même payé pendant un an et. Bof. Non, moi je préfère OBS. Sur OBS parce que. T'auras tous. Allez, le dernier. Je pense que Twippy il a fini son café, il est parti là. Il est parti travailler. Bon. Ça a plus droppé depuis 4 minutes. Par contre, ça doit être vraiment bas. Je suis désolé si vous voyez des pixels. Non, non, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Dis-toi que je suis à 300 bitrate. Ah, mais tu dois avoir un. Je sais plus ce que je veux dire. Par contre, ça ne drop plus. Donc, si ça reste regardable, c'est bien. Sinon, je remonterai. Allez, il y a plus qu'une heure. Normalement, c'est une heure tout pile en plus. Hein. Un petit peu plus. Ça dépendra si on a Irvine en dernier ou Irvine en premier. Parce que oui, la grande règle du boss final, c'est d'avoir une équipe aléatoire. Ça fait toujours plaisir. Et sachant que notre speedrun dépend d'un personnage, et ben il faut qu'il soit dedans si on veut gagner du temps ou perdre 3 minutes. Merci Charlie. Et c'est la musique de Kayoche. Non mais l'exclamation planning ne marche pas. Oh là là. Je te mets dans tes bras, c'est romantique. Et je te mets les doigts dans le nez. J'en profite pour manger, ouais. Ah, ça commence à faire long là en commençant une run à 1h du matin. Ouais, c'est ouf. Hein. Ça fait mal. Très mal. Ah, parce que Néo il va chanter. Bah, je te dis, Néo ouais, il va. Ouais, on va faire chanter Néo. En plus, carrément, j'ai quasiment plus de voix en plus, hein. Je ne pourrai aller me coucher que dans 4h30. Hey, listen. Listen.
un pur again, carrément. C'est que ça tweet, ça tweet. Ouais, j'ai eu le temps là. Temps de la bromance, j'ai le temps de faire des choses. Ah, pendant qu'elle met les doigts dans le nez. C'est vrai, Neo, il doit tellement de choses. Vous pourrez lui faire ce que vous voudrez. Après, il suit juste avec la race de Squad Envy. Encore. Hey, listen. Calmez-vous avec le tweet. Arrêtez de faire la pub. D'ailleurs, Neo il devrait être levé là, il est 9h quoi, c'est dans une heure. Une heure tout pile. Oh, il a encore le temps. Il attend la fin de tarot. Il a cassé son micro exprès. Donc là, on a une scène à Estar, une scène à l'orphelinat, après avoir été chercher Rinoa, et après cette dernière ligne droite, on rentre dans Lunatic Pandora, et on va dans le château du Timessia. Faut qu'on aille retourner voir la Laguna. Ouais, non mais je te dis, Estar, enfin, orphelinat, Estar, Lunatic Pandora, et après château. Que tu sois forfait ou pas, hein, tu runneras quand même, ça y est. J'avoue, ouais, qui run. Non, Pandora. Pandora, on a... Pandora. Bon, vous avez fini de causer là ? Non, c'est long hein le. Mais arrêtez de parler. Et dis-toi que demain. Une demi-heure qu'il se passe rien. Le pire, c'est que PLM ne mâche pas. Ouais, je ne mâche pas en plus, normalement. Ça passe tout seul. Ouais. Et le truc, c'est que demain, tu vas te taper le CD 9. Le CD 9, putain. Le CD 3 de FFF. Ça fait beaucoup de CD. On fait un peu plus de choses dans le CD3 du FF. Ouais, on bouge un petit peu plus, mais c'est relou quand même. Ouais. Allez, on raterrit sur notre terre. Enfin, c'est pas la nôtre. Demain soir, ouais. À peu près à la même heure en plus, qui commence. À minuit. Un peu plus tôt. Minuit un quart si j'ai pas de bête. Ouais, un truc du genre. Ouais. Putain, j'aurais commencé à minuit un quart. J'aurais fini là, putain. T'as commencé ouais. Ouais, vers une heure. Bon, je me dis heureusement que j'ai Serge avec moi. Ah bah oui. Ouais, il connaît bien la run. Allez, laisse-nous tranquille, Rinoa, putain, laisse-nous tranquille. Ouais, maintenant, on veut juste terminer le jeu, aller dormir. Putain, les membres de STA, ils dorment longtemps aussi, non ? Les feignants.
Parce que Monsieur Ned qui disait, oh non, non, je resterai avec toi toute la nuit, t'inquiète pas. Je ferai modérateur. Mais quoi, ouais! Il dort! Non, apparemment, oui, il se crevait. Il a pas dormi presque en 3-4 jours. Hein. Il casse tout rien, putain. Ça y est, ils ont fini de discuter là? Tout à fait. Ouais, tu joues! Il y a encore un tout petit peu de discute pendant. Oh putain! Il y a encore un tout petit peu de discute pendant 5-6 minutes. Sérieux? Ouais. Et après, par contre, ça. On va faire beaucoup de combats. Bah, heureusement, parce que. Il reste encore 50 000 d'euros. C'était encore que de la farlotte. Salut Mogaya. Non, c'est un marathon. Il y a plein de speedrunners qui font plein de choses. Ouais, nous sommes dans un marathon actuellement. Et on est à la fin d'une run de 9 heures. Il y a 8 heures de run. Encore une heure. C'est chaud. Et que demain soir tu enchaînes par FF9. Ouais! Donc là, je peux te filer le lien du planning si tu veux. Non, là j'ai filé une clé de roster. Ah non! On finit la run! Salut Aldra. Salut Aldra. Ah si si, on se couche. Salut Aldra. Pour moi à 13h30. Je suis au mauvais endroit, je suis crevé. Hein. Est-ce que je sais encore où c'est? Le mémorial, normalement. Ouais, c'est bon. Waouh, t'as changé, maintenant t'es plus dans... T'es plus université, maintenant t'as un vaisseau spatial. Ouais, mais il est bien le Ragnarok. C'est un beau vaisseau. Ah, ouais, tu vas à la tour Eiffel. Ouais, mon step counter est pas bon. Normalement, on l'a pas ce combat. Ça veut dire que peut-être on en aura un deuxième. Ouais, non. Quand même pas, faut pas abuser. Ouais, c'est quoi, c'est une toile de mer bizarre avec une... Non, j'ai rien à dire. Mais logiquement, t'avais pas fait tes...
Non, normalement si t'as un step counter qui est correct, tu l'as pas ce combat en fait. Donc t'as pas besoin de rechanger avant. Vu que moi je m'étais toujours... Mais là vu qu'il y avait, il y avait un léger décalage, ouais. Et ben ça se voit tout de suite. Donc l'un des avantages de la run PC comparé à une run PS2 qui est comme ici, et ben c'est qu'elle se finit en 7h30. Donc on gagne une heure quand même. Parce que quand on connaît la run PC, la run PS2 elle est longue. Wow, comme dans la cinématique d'intro. Eh ouais. Le câlin. Oh oui, caresse-lui les cheveux, c'est le doux. Mais du L'Oréal Paris. Et là, rencontre des générations, le groupe actuel voit un personnage que nous connaissons. Power Ranger vert. Non, ça. Madinch. Merde. C'est Madinch. Ah putain, je suis coincé. Hop. Et Squall se dit qu'il l'a déjà vu quelque part. Eh bah oui, il l'a déjà vu quelque part. Ce serait bien que tu réussisses à sortir aussi. Grave. J'ai beaucoup galéré. Ah bon. Et ouais, c'est Ward. Vu qu'il était vert, pour moi c'était pas orange et vert. Faut pas que je me pose trop parce que je vais finir par fermer les yeux. Ah bah moi aussi. il faut pas. Non, il faut pas. Il faut pas. Il reste 45 moi, minutes. Moi je veux jeter 40 minutes, j'allais dire. Non. 4 heures. Tu dois finir 45 heures. Et donc là on va à l'orpheline. Ouais. Vroom le vaisseau. Waouh la mer. Putain, le vaisseau il avance rien. Ouais, on a l'impression que ça avance rien. Dans FF7, il va plus vite. Hein. Ouais. Poser un tout petit peu loin. Ouais, tu vas pas t'en passer dans le bâtiment hein, comme tout à l'heure. Sur la version PC, elle est plus vite. Ouais, elle est plus vite. Donc, Skull, Renoa, Linoa, Irvine. On fait les amours. Je pense que j'en ai un peu beaucoup, donc c'est parfait. Et normal. Hop. Donc là, on a fait tout ce qu'il faut pour Irvine. Il m'aura juste un dernier truc. Moi, je vais même pas les faire, les pulsars, ça sert à rien. J'ai tellement d'AP. Je parlais de mettre Fire, enfin Firaguin
élémentaire attaque. Ouais, ça je le fais, je le vérifie juste à la fin. Et du coup, bah merci pour les deux, encore une fois. Bon, là je vais aller doucement, j'ai pas envie de softlock, ça me ferait péter un câble. Et maintenant ils sont en train de se battre pour faire des dons, j'ai l'impression. C'est cool. J'ai fourni ces officiels afin d'être manié temps. Parce que là, ici, il y a un softlock qui peut se produire. Il est assez rare, mais il faut maintenir une direction en même temps que le chien part. Ça fait bugger le chien et tu peux plus partir d'ici. Génial, ça c'est le mec a trouvé ça, franchement. Et pourquoi il a trouvé ça, quoi? Bah, dis-toi que le mec qui a trouvé ça, il était tellement dégoûté qu'il a lancé un 100% de FF7 juste après. Ouais, ah, bah oui. Il parle de Kinos. Ouais. Ce mec est fou. Et il était à 10 heures de run, à 11 heures de run sur FF8. Et parfois, quand tu l'as en vue, il fait FF7 plus FF8. Et quand il est motivé, un peu de FF9 en 1%. Ah bah ça va, le mec, il a que ça à faire. Ça oui. Sa vie. Non, passé un temps, il faisait beaucoup de streams tous les jours, mais là, il s'est calmé quand même. Il s'est bien calmé. En fait, il stream vraiment par période. Ouais. Ouais. Et pour répondre à Sherwin, la flamme fonctionne aussi avec le pipi. Une bonne bouteille, ça sauve. À certains moments. Allez, on y va. Je ferme le micro. Ah, je crois que Dead, ça y est, il y a un tweet de Speed Zemo. Il y a GG, à mon avis, il a essayé là. Ça s'est mal passé. Donc là, on change encore d'équipe. Non, là il faut plutôt un saut. C'est con que la récompense de ce blabla c'est de conduire le Ragnarok. Hein, parce que. Franchement. Ouais. Est-ce que en finalité on règne sur le monde? Non. On ça sert à rien, alors c'est nul ce jeu. Non. Ah putain, où est-ce qu'il est l'aéroport, quoi. En plus, il tourne à deux à l'heure, lui. Ah, grave. Attends, je tourne. C'est un vaisseau suisse, non? C'est le mode qu'on dit, quoi. Elle veut pas rentrer en conflit avec le code de la route spatiale. Voilà. Non mais c'est un vaisseau suisse en fait. Ah mais il est badass quand même le vaisseau. Il prend son temps. Ah il est badass hein, mais il prend son temps. Hein. Et tu verras juste après qu'il est encore plus badass. Non non, je connais pas Vestre. C'est un bon jeu pourtant. Ah.
On a pas critiqué la façon de conduire des femmes. On a critiqué la façon de conduire de quinoa. Là, il y a différence. On n'a pas fait des femmes en général. En plus, tu sais, c'est Parinois qui conduit le Ragnarok, c'est Selfie. Voilà pourquoi. C'est parce qu'elle est très jeune, elle a envie de perdre son permis. Elle a envie de l'avoir, je sais pas. Allez, dernière grosse séance de blabla, enfin grosse. 4 minutes à peu près, et après c'est fini. Ouais, dis blabla. Et là, on va revoir un personnage qu'on a. Enfin, on va voir un personnage. Et ouais, la révélation. En fait, c'était le méchant. Mais non, le président des stars, c'est. Laguna. Parce que c'est Laguna qui a enfermé Adèle dans l'espace. Ah GG. Et depuis le début, il pouvait pas s'occuper de son fils et de sa fille, non. C'est un peu trop dur pour un président. Non, plus juste un peu trop dur pour Laguna. C'est Laguna, faut pas trop lui en demander. Non. Alors, tu as le choix, soit tu deviens président, soit tu t'occupes de tes enfants. Président sans hésiter. Sans hésiter. Après, président. Je prends président, vite, c'est au consigne. Donc là, il faut bien mettre choix 2 sur le prof, parce que sinon il te raconte un blabla. Il te raconte l'histoire de Laguna. Il y a même une cinématique. Si j'ai pas de bêtises. Ouais. Ça vous perd au moins 2 minutes. Oh, revoilà Monsieur Fraise. Bah bien sûr, Squall et Elon, c'est les deux enfants de Laguna. Pas la même mère, mais... les deux enfants du coup. Donc en fait, le mec en plus il voit ailleurs, hein, bien sûr, bien bravo. Non, mais si tu veux savoir encore plus, Squall, sa maman, c'est la dame en rose qu'on a eu dans le deuxième rêve de Laguna, qu'on voit, celle qui est au piano qui chante Eyes on Me. C'est le premier rêve. Le premier rêve, pardon. Donc, qui est aussi. La femme du Major Karaoué. Major Karaoué qui est le papa de Rinoa. C'est un peu dur. C'est pas tout compris. Ça veut dire qu'en fait, ils sont limite belle-sœur et beau-frère. J'ai pas tout compris. En gros. C'est une histoire de consanguin en fait, voilà. Oui, voilà. Des consanguins incestueux. C'est pas dit explicitement, mais normalement c'est comme ça. Normalement c'est comme ça. Mais c'est pas dit explicitement dans le jeu. C'est sous-entendu. Donc là. Dernière petite chose, on prend le Ragnarok et on va. Ben le son entre guillemets au début, ils se sont élevés dans un. Et ouais. Parce que mais par contre ils l'oublient. Et sans tout, je sais. Non. Je cherche même plus. En tout cas, niveau horaire, ça aura été la plus dure run que j'ai jamais faite. Bah non. Mais ouais, on est pratiquement au bout, là. Bah ouais, c'est Julia, justement. C'est la... celle qui a une robe rouge. Julia.
La consanguinité. Ouais, ils sont demi. Pardon, je dis belle, c'est demi. Excusez-moi. Ils sont je suis sur. Oh, je suis sur liche, je crois. C'est sous-entendu, il s'est pas dit explicitement dans le jeu. Ouais, c'est comme dit quoi. Voilà. Je suis d'accord, c'est absolument pas dit explicitement, mais bon. Oui, ça l'explique. Une explication. Waouh, le vaisseau il se transforme en monstre. Mais ouais, il a des griffes. Il est badass le vaisseau. Ouais, il est vraiment bien. Notre âme est dans l'espace par une cherche. À tes souhaits. Pardon, ouais, je commence à vraiment fatiguer, je tousse un peu, je suis désolé. Bon, j'ai un Holy War, j'espère que ça va bien se passer. Néo est debout, bon bah parfait. De toute façon, il me reste 40 minutes quand même pour finir. Je vais prendre un petit café, mais... Merci pour le follow, Wars Café Flic. La fille de Rain. Ah, c'est peut-être Elon en fait. La. C'est peut-être Elon alors, la fille de Julia. Oh, vous savez, moi je m'en fous maintenant. Pour moi, c'est des gros consanguins, voilà. Tu as peut-être raison, Grindel, c'est peut-être Elon, la fille de Julia alors. Yo Neo. Yo Neo. Donc, ce qui veut dire que c'est plus plausible. Tu m'en veux pas, au bout de 8h19, j'ai plus trop les idées claires. Non. Je ne peux pas terminer ça, Rome, c'est normal. Et puis, il faut reconnaître que l'histoire, elle est quand même un petit peu compliquée à partir du CD3. Ouais, bah, là, au début, on a le soldat Ryan, donc ça va, c'est plutôt simple à comprendre. Après, il mélange Armageddon, Balance Day, Welcome. Autre truc, voilà. Au bout d'un moment, on sait plus où est la tête. Hein. Ils ont même mis Alien. Ah, j'ai oublié de split. Ils ont même mis Alien. Et Interstellar en avance. Oui. Merci pour le follow, Farfadet. Voilà, j'ai pas envie de go Farfadet. Je vais aux toilettes encore et je reviens. Il faut faire un arbre généalogique. Mais je pense que c'est toi qui as raison en plus. C'est même sûr. Après, attends que ça, donc. Après, ça reste plus visible. De contenu, on est obligé de mettre un aura. Parce que sinon, la limite est pas assez longue. Oui, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, justement. Ouais. Donc, aura. Mais sauf alors. Moi je sais pas, dans la tête j'avais l'idée que ils étaient peut-être demi. Ouais,
Non, je voulais rien salir du tout. Mais faut reconnaître quand même que l'histoire est assez complexe. Là, on n'a pas Odin le gâteau. Dommage, mais on n'a pas Odin. Ah oui, il y a des gens qui voudraient savoir, qui ne se souviennent plus. Mmh. Le combat je pense que c'était une Zephyr. On t'entend loin par contre, moi je t'entends loin. Ah, donc ouais. Ça c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc comme je disais, le dernier combat contre Zephyr, en gros c'est comme les autres combats contre Zephyr qu'on a eu. En gros, il se prend un coup et il est mort. Voilà, ça va plus être la limite d'Irvine. Ils se font deux limites d'Irvine, c'est fini. Ouais, voilà. Ok, la limite, par contre, elle a mis un tout petit peu longtemps à venir. Ouais. Donc cette fois on est eu un héros. Et on va arriver au CD4, enfin. Enfin, ouais. Donc là on se dit bah c'est fou, on va bientôt affronter un nouveau boss. Et ben non, avant il y a changement de CD. Et voilà, faut changer le CD. Welcome. Merci. Et c'est parti. Donc on monte vers Adèle maintenant. Les pulsars, tu les fais je vais pas les faire du tout. Ah oui, t'as assez de. Ah, j'ai tellement d'AP à moi. Combien, 80, 100? 80, je crois. Tellement farmé avec Madinch. Madinch quoi. Non, on n'aura pas le temps, après il y a une Rex Sukoden. Normalement si on finit le jeu normalement, qu'il n'y a pas de gros trolls du Team Messia, ouais. On est à l'heure. Ouais. Donc là on est au CD4. Cool. Encore des cinématiques. Toujours des cinématiques. Toujours. Wouah, un œil géant. Avec un monsieur badass. Adèle, je sais pas trop, c'est une sorcière, mais bon, plutôt plutôt on dirait un mec. Donc, hein. Mais il a pas de gros seins avec des gros mamelons. C'est un monsieur, hein.
Ah bah monsieur, si maintenant il en a. Mais si c'est comme ça qu'il devient le monsieur, le gars, qu'il devient une femme, monsieur, c'est pas très gentil, hein. Ah bah maintenant il explose. On sait pas trop. Tout va bien. Donc il explose avec elle dans en lui. C'est elle ça. Est morte. Au revoir. Au revoir Inoa. Au revoir Kinoa. Salut Camion Ben. Allez, maintenant c'est de la compression temporelle, donc toutes les époques qui sont regroupées en une. Génial. Et donc on destruction d'espace-temps donc. On va et les tourbillons. On va détruire les sorcières de du passé jusqu'à Ultimecia, qui est la dernière sorcière. Mais avant ça, il y a les tourbillons. Ouais, le tourbillol. Le tourbillol de la mort. Mais ouais. Ah, par contre, j'ai une question. Est-ce que Neo Slash peut venir sur Discord? Histoire que je lui file la clé. Par contre, il n'a pas le droit de l'utiliser pour l'instant parce qu'elle est déjà utilisée là actuellement. Et il va prendre le pas si. S'il l'utilise. Il va peut-être faire tous les coups. On ne sait jamais. Donc, si le stream part, ça sera à cause de Neo. Voilà. Voilà. Neo Slash trop pressé. Allez hop, on tourne. On tourne. On fait des saltos. Salto vers l'avant, salto vers l'arrière, salto vers l'avant, salto vers l'arrière. Salto vers l'avant, salto vers l'arrière. Roulade sur le côté. Roulade sur le côté. C'est swag. Ah, fais gaffe, tu vas lui foutre un coup de pied dans la gueule à faire ça. Possible. Là, t'avais juste à tendre un peu le pied et là, bam. c'est mieux TS, mais on en a plus, Kido, donc. Salut Zelgus. Salut Zelgus. Salut Zelgus. Ah, mais ça, je viens d'arriver. Ok. Je retrouve la clé, par contre. Et là, on arrive devant Sorceress, donc. Ouais. Elle vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, pas encore, pardon. Non. Petite save, quand même, avant. Ouais. Normal. Auto-attaque. On met les Firaga, hop, ça c'est fait sur lui. On remplace Draw par Darkseid. Item, on utilise un méga. Oh, les méga potions, c'est pareil. Hop, les STR sur Irvine. Et on sauvegarde. Naturellement, la sauvegarde ne marche pas. Et on y go. Bon, elle est moyenne, on va dire. Il y a eu 2-3 petits gros trolls, mais bon, on va arriver au bout et certainement avant 9h si ça se passe juste normalement. Et pour l'instant, ça reste une run single segment. Oui, on n'est pas mort et on n'a pas rechargé. Ce qui était un peu ton objectif aussi. Oh, ouais, c'est plutôt le seul 9h sur un marathon. Ouais, c'est bon, t'es tout. T'es toujours content quand tu fais un single segment. C'est vrai. Donc on met les hastes. Hmm.
cache les stones sur les rails. Et on y va. Donc c'est un peu ridicule, en haste, comment il court, mais bon. La strat, c'est ça. Je vois pas du tout en quoi c'est ridicule. Tu te bats jamais comme ça, toi? Non. Si, toujours. Non. Je suis toujours dehors, mon ami. En train de courir à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais, sur place. Première jaune. Déjà la deuxième jaune. Yo dead du coup. Ouais. J'ai pas vu qu'il était arrivé entre deux. Ah, mais c'est Kefka en fait. Pas total. Il est de retour. Ah. Hop là, c'est fini. Donc Sorceras sont passés. Sur PlayStation, les Sorceras sont bien plus simples que sur PC, elles ont un petit peu moins de vie. Il y a même un peu plus de vie. Plutôt. Normalement, il y a même pas besoin de l'aura même. Là, c'est vraiment pour safe. Donc, hop. Donc là, pour ceux qui se posent la question, il nous reste 3 boss. Il nous reste 3 boss. Dont 2 qui sont très très faciles. Et un dernier ultra casse-couille. Un dernier qui s'appelle Ultimecia, qui va invoquer sa G-Force. Sa G-Force qui s'appelle Panda. Et c'est quoi? Un méga dragon! Ah bon, d'accord. Ouais, c'est avoir un gros monstre, une grosse chimère. Moche ou belle? Oh, ça va! Ça va, elle est moche et belle! Ok. Après, tu vas fusionner avec elle, sois content. Ah oui, juste fusionner. J'aime bien ça, moi. Mais surtout, ce qu'il faut savoir par rapport à ce combat-là, c'est que les trois personnages qu'on va avoir au début du combat sont aléatoires.
Et donc il y a une chance sur deux d'avoir Irvine. Ouais. En gros, donc nous on veut Irvine, mais si on l'a pas dans les 3 points perso, quasi sûr que ça va être le dernier. N'oublie pas de sauvegarder. Hein. Non. Je sauvegarde juste après. Et ce sera le dernier point de sauvegarde qu'on aura. Ouais. Parce que si on veut en débloquer d'autres, voir tuer un monstre en plus dans le château d'ultime essai. Mais nous aussi nous fléchisse. On a la flemme. Allez, on y va. La musique du château du Timé, ça est bien. Donc c'est simple, le premier boss, on le one shot. Le deuxième boss, on lui fait une limite. Ou deux, si on n'a pas le temps. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu passes devant un boss sans le faire. On contourne un boss, c'est vrai. Salut! Ah, mais tu vas voir. C'est le premier là. Salut! Au revoir. Donc, le mec il est posté là pour regarder l'entrée, mais. Moi je suis pas assez payé pour attaquer les gens, hein. Je surveille. C'est ma pause. De toute façon, c'est ma pause. Je suis désolé, patron, ils sont passés pendant ma pause. Donc là, il suffit de pas fuir, de mettre un coup avec avec Irvine et c'est fini. Parce que ce boss-là, justement, a une faiblesse au feu. Et on lui met... Il arrive à... Oh, parfait, ça, pour le mettre en critique. Oh, ah oui. C'est rare de le voir attaquer, lui. C'est très rare de le voir attaquer. Je crois que ça doit faire la deuxième fois que je le vois attaquer. Donc on récupère limite break. Une petite chose qu'on n'a pas précisé, c'est que quand on est rentré dans le château de Kitmessia, on a perdu pas mal d'actions. On perd tout, sauf attaquer. Tout. Et les jonctions qu'on a, on a mais sinon on peut avoir les commandes magie, rouler, item, sauvegarder, on l'a pas. Pour ça, comme j'ai dit, si on veut vraiment sauvegarder devant le Timessien, soit on fait du tour, soit on... Soit on fait un troisième boss, on fait le premier boss qu'on a contourné, c'est possible, ouais. On perd un peu de temps, mais ça permet de sauvegarder devant le Timessien. Et parmi les commandes qu'on va récupérer, donc on va faire que deux combats. La première, donc, c'était Lead Break, et la deuxième va être Item. Donc après le reste, on s'en fout. Même si pour le marathon, on n'aurait pas dit, enfin, bon, pour le marathon, on n'aurait pas dit non à la save devant l'ultime bestiaire. Ouais. Donc ça se passe mal. Bon. Ah, ça va, commence à très 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 fatigué. C'est quand même dur de se lever, enfin de commencer une run très tard et la finir au petit matin. Mmh. Je vais bien dormir et je pense que Kayosh et Pourdain, pareil. Ah, c'est bon là, j'aime passer le coup de barre. Ça va mieux. Bon, je commence à avoir un petit coup de barre et bon, je me dis c'est la fin. Loupé. Ça, c'est possible de le prendre en un coup, mais bon. C'est loupé. Ah bravo. Il fait du caca. Donc ça c'est le deuxième. Deuxième acte. Donc on tue Rinoa pour une raison, parce que si et comme ça permet de
qu'il faut savoir, c'est que dans le combat final, si, en tuant Rinoa, si Rinoa n'apparaît pas dans le premier groupe, en personnage, elle ne réapparaîtra plus après. Elle réapparaîtra, mais à la toute fin en fait. Les persos morts réapparaissent à la toute fin, c'est son pote dès le début. Donc ça permet de gagner un tour sur. Permet de gagner un tour sur. Sur l'apparition d'Irvine sur la part en premier. Donc là on récupère objet et on va voir Ultime Essia. Mais avant un dernier petit menu. Oui, c'est ça, Dead. Elle nous apporte que des problèmes depuis le début. Hein. Ah, on a même été dans l'espace pour aller la chercher. Et GG pour le gold. Ah, merci. Mais c'est ça. Il est certainement faux, mais c'est pas grave. Alors, Rocket de Lune sur Zephyr. On change la STR 20 en speed. Et on va voir Ulti. Je l'attends plus longtemps ce boss final. Donc Ulti elle a trois formes, à quatre formes pardon. On la bourre à la limite de Irvine et à la fin on lui met, il suffit de lui mettre 5 coups pour lui faire passer ses 5 enfin ses derniers PV en fait. Et on finit le jeu. Ok. Waouh, il passe sur une rage comme ça. Il est où que d'un. Ah, on est dans une citadelle, hein, dans un château. Et on fonce tout droit. Ouais. Tout droit vers Ulti. On a juste un petit setup à faire après avoir tué la première forme. Il faut mettre une aura stone sur Irvine et après mettre deux héros. Mais j'ai un Holy War donc je ne mets qu'un Holy War. Tu sauvegardes pas du coup. Non, on peut pas sauvegarder. On peut pas sauvegarder. D'accord, c'est con. Il faut débloquer, il faut battre un boss pour débloquer une capacité. Et donc une boss relativement boss finale relativement bien. Même si elle est un peu pixelisée sur PS2 mais elle est en forme. Ah, elle tremble aussi, elle a Parkinson. Ça c'est l'âge aussi qui joue. Et donc là les runners de FF8 prient pour avoir en single segment prient pour avoir Irvine en dès le début pour pouvoir la bourrer. C'est pas très gentil. Mais si elle aime ça,